Monsieur Cometti, en entrant dans votre atelier, on est à la fois gêné et rassuré. Gêné parce qu'on a peur de vous déranger. On sent bien que c'est l'atelier de quelqu'un qui se cache un peu. Et puis rassuré parce que comme vous continuez à travailler, même devant nous... Ben, je me cache pas. Je me cache pas particulièrement, non. Et pour ceux qui ont de travailler devant vous, j'en profite. Et ça me profite autant plus que je commence... Je reprends un travail que je n'aurais pas repris depuis... peut-être pendant longtemps, non? Je ne sais pas pourquoi, à cause de la mise en scène, hein, ça me ramène à ce travail dont ça me profite. C'est moi qui en profite le plus, en tout cas, hein, de la séance. C'est un peu un jeu de patience, non? Quoi? Votre travail. Non. À vous voir, la patience, comme ça? Non, pas du tout, c'est plutôt de la manie. C'est plutôt maniaque, je crois. Plutôt maniaque que de la patience. Enfin, ça n'est pas volontaire. C'est malgré moi. Et je me demande si, sous prétexte de travailler, ça n'est pas simplement une certaine manie qu'on a. Hein. Comme d'autres manies, de tripoter de la terre. Sans que ça donne d'ailleurs beaucoup de résultats. Ou le résultat est presque secondaire, enfin. Ça n'est pas comme ça quand même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce n'est pas comme ça quand même? Oui, c'est de la manie. Mais en même temps, il y a quand même la volonté d'arriver à quelque chose plutôt pour s'en défaire. Si je fais la sculpture, c'est pour en finir. Pour en finir avec la sculpture, au plus vite. Je fais certainement de la peinture et de la sculpture, et cela depuis toujours, pour mordre sur la réalité, pour me défendre.